On a la réaction d'Emmanuel Maurel, qui est un homme politique qui a quitté le Parti socialiste il y a quelques semaines pour créer son nouveau mouvement qui s'appelle Après, qui va sûrement faire campagne d'ailleurs avec la France insoumise aux européennes. Il a réagi au mouvement des Gilets jaunes depuis les Champs-Élysées. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Bon, là, on est à côté des Champs-Élysées, parce que les Champs-Élysées sont plus praticables, ils ont été largement gazés. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ça n'est pas un mouvement d'extrême droite. Vous avez des jeunes, des retraités, des femmes, des hommes qui sont dans la dèche, qui galèrent. C'est le maître mot de tous les gens avec qui on a parlé depuis 2 heures, mais qui ne sont certainement pas des nervis au service du FN. Donc il ne faut pas caricaturer le mouvement, il faut au contraire montrer à quel point il est légitime. Un mouvement qui vient de loin, c'est une colère qui renoue d'ailleurs avec une passion française, celle de l'égalité, qui veut plus de justice fiscale, plus de justice sociale, et c'est ce qui est en train de se passer dans le pays. Alors il faut soutenir ce mouvement, il faut condamner évidemment les provocateurs et les violences, mais retenir le fond, et le fond de l'affaire, c'est une aspiration à la justice fiscale, à la justice sociale.